Hop, les droits d'auteur. Non, c'est bon, ça suffit. Hein. Ça suffit de se faire sucrer des vidéos parce qu'on met des musiques qu'il faut pas mettre. Donc, on arrête là. Si vous voulez voir la bande-annonce, je vous invite à aller sur Steam, taper le nom de ce jeu, Beast of 9500, pour voir cette magnifique bande-annonce qui m'a donné envie de jouer au jeu. Donc, j'ai envie de vous dire salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un nouveau jeu de dino qui n'est pas du tout nouveau, qui date de mai 2020, sortie officielle de la bêta. J'aime bien ça. Jeu développé par le studio Dragons. C'est leur seul jeu pour l'instant sur Steam, donc j'espère qu'ils vont fonctionner. J'avais envie aussi de vous dire que là, vous avez affaire à un grand professionnel en face de vous. Et je me renseigne sur les jeux. Je me renseigne beaucoup sur les jeux que j'ai envie de tester. Et dans mes renseignements, en cherchant sur Internet, je suis tombé sur un site incroyable que j'ai fermé, mais que j'ai retrouvé quand même. Alors, du coup, je suis tombé sur ce site. C'est une analyse graphique des interactions qu'ont les jeux avec la plateforme Steam. Et on peut voir, je veux pas tirer de conclusion hâtive, que actuellement il y a 9 joueurs en jeu sur toute la planète. Et là on parle de toute la planète et des gens qui jouent au jeu. Donc ça fait pas beaucoup. On voit qu'il y a 62% d'évaluation favorable et on voit qu'au maximum il y a eu un pic à 418 joueurs. On va quand même comparer ça à The Isle, un jeu qui est à peu près similaire. En ce moment, il y a 3400 joueurs en ligne, 80% d'évaluation favorable et au maximum, il y a eu 12 000 joueurs en même temps en ligne. Alors, je veux pas tirer de conclusion hâtive, hein, mais ça fait pas beaucoup tout ça. J'ai découvert le jeu comme ça et je me suis dit, bon, je vais quand même leur faire un test en espérant que ça se passe bien. Que ce soit pas une bouse infâme ce jeu. Alors on va aller sur un serveur chinois, c'est le seul endroit où il y a du monde. Et on va découvrir ça ensemble. Alors je vous dis, je ne l'ai jamais lancé. Alors on va voir ce que ça donne, on va voir la tronche des dinosaures, on va voir un peu ce qui est faisable. Mais là, pour l'instant, mon pif me dit que il y a un problème sur ce jeu. Ok, on est sur l'interface où on peut choisir les espèces. Alors on voit qu'il y en a plusieurs, hein. Ok. Bon, on va toutes les regarder vite fait. Mon dieu, c'est quoi ce scroll là? Alors, accro. Ok. En vrai, il est pas si moche, hein. Ça va, il est pas mal, hein. Il est pas mal, ok. L'acrocanthosaure. L'allosaure. Ouais, pas mal du tout. Le brachiosaure. Alors là, on est bien là. Ok. Le brachiosaure, super. Non, en vrai, les dinos sont jolis. Le menu est vraiment pas beau. Mais les dinos sont... Ça va, hein. En vrai, ça va. C'est pas... M'attendais à pire, du coup, en voyant tous ces chiffres. Le stego. What the fuck, la tête du stego aussi. Ok, ouais, le terry. Ouais, il est pas très beau non plus. Le trissé. D'accord, ouais, bon. Les dinos sont pas fous, hein. Le tyrannosaure. D'accord. Alors au début je croyais, mais en fin de compte, c'est pas très beau, hein, c'est pas très beau. Oh lui là, lui il est beau. Enfin il est beau. Ouais ça va en vrai. Je sais pas à quoi il ressemble en vrai, donc ça va. Le Bionix. Ouais non, c'est pas super beau. Hein. C'est pas super beau. Le Tarbosaurus. Mon dieu, la tête qu'il a celui-là. Ok, mais il a l'air énervé. Hein. Il a l'air le Kentro, d'accord. Il y a quoi d'autre? Et il y en a beaucoup, hein. Le Para. Oh, tiens, on dirait qu'il est... Oh mon dieu, la tête qu'il a. Eh non, mais celui-là, il va pas du tout. Là, la tête de victime. Le Sarcosuchus. Ok, bâtard, va. Bâtard, même pas, je te regarde. Le Ptérodactyle. D'accord. Spino, à deux jambes. Ok, d'accord. On pourrait avoir un Spino avec lequel on se met à quatre pattes et debout, mais bon. D'accord. Et le Giganotosaure. D'accord. Ok, le gigano. Bon, franchement, on va prendre le machin qui vole. On a toutes les stats à côté. Il y a plusieurs espèces. Non. Kin. D'accord, on peut changer les skins aussi. On va prendre le petit oiseau, qui n'est pas du tout un oiseau. On voit le poids. D'accord, ça c'est pas mal, les petites infos. Après, c'est pas très très joli, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Les dinosaures sont pas terribles, mais ça va aussi. En vrai, ça passe. Ok. Ah bah là oui c'est clair, d'accord. Ok, alors du coup j'ai jamais lancé le jeu, du coup les touches ça va pas du tout. Et évidemment, vas-y atterri bro. Ok, settings. On peut pas changer les touches, hein. On peut pas changer les touches, donc ça c'est pas terrible.
Du coup, je vais vérifier ça là en pleine vidéo. Oula. C'est ce bruit. Ok, c'est bon, j'ai réussi à trouver. Alors, j'ai tout simplement mis mon clavier en anglais. Alors, de prime abord, comme ça, moi je trouve que le jeu est pas horrible. Le jeu est pas horrible. Après, c'est vrai que là, pour les... En fait, je trouve qu'un grand... Disconnect from player, player exit the game, and log again. C'est pour moi ça? Ok, bon, on est de retour dans le jeu. Alors, on va découvrir vraiment ensemble ce que c'est. Pas eu trop le temps avant la petite déconnexion. On voit qu'il y a quelques indicateurs ici. Alors ici, on sait pas trop ce que c'est. On dirait que c'est un cœur, mais il y en a un autre là, donc je sais pas. Là, bah, ça doit être la faim. Là, c'est la soif. Là, il y a une tête de dino au milieu. Je sais pas trop ce que c'est. Et ici, je pense que c'est les barres de vie. On voit qu'il fait 38 degrés, donc la température doit avoir son importance. Et il fait 36,4 aussi. Alors ça, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Ensuite, qu'est-ce que... On peut... Bon, hein, les... Le menu, puis très simple, très basique, continue, respawn, settings. Les settings, du coup, je trouve que c'est un problème, parce qu'on n'a pas les touches. On n'a pas le contrôle des touches, et du coup, ça fait qu'on ne peut pas savoir ce qu'on peut faire. Sentir, crier, courir, nager, grimper, escalader, j'en sais rien. Faire des œufs, plein de trucs. Vu qu'on n'a pas les touches, on ne peut pas savoir ce qu'on peut faire. Donc, on va faire un petit tour. Alors, mon dinosaure, hein. Mon dinosaure... Bah écoutez, il est quand même plutôt joli. Il est quand même plutôt joli, ça va. Après, niveau modélisation, on dirait un peu que c'est un bâton, quoi. On dirait que c'est un bâton, il est très, très rigide. Il est très rigide. Au niveau des paysages, en vrai, ça va pour un jeu en développement. Moins 20 degrés, d'un coup, il fait... C'est quoi ce bordel? Quoi, comment ça, il fait moins 20 degrés? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une tempête, il y a quoi? What? On va atterrir, atterrissons, malandrin. Bon. Ah oui, il neige. D'un coup, là. Il faisait 38 degrés. Il faisait 38 degrés. Mais attendez, je suis en train de crever, là. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, du coup, on voit qu'il y a un petit peu de, d'ambiance sonore. Voilà, c'est pas si mal. Par contre, bah, je vais crever, je crois. Bon, du coup, peut-être que la tête au milieu, c'est ma vie. Faut que j'aille me mettre à l'abri, hein. Bah je vais mourir en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Me mets sous cette plante là? Non? Non je sais pas, la tête elle est devenue blanche et... Bon. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? J'en étais au paysage. Donc les paysages en vrai ça va, c'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est plutôt bien fait. Après voilà, le jeu est très récent et toujours en alpha. Il y a un truc là? Yo mon frère! T'es gentil, t'es méchant? T'es quoi? T'es bugué, hein? T'es full bugué, mon pote. Elle me frappe pas. Tu veux quoi? C'est un joueur, c'est pas un joueur? T'as l'air con, hein? T'as l'air giga con. Pote. Mais barre-toi! Mais, j'ai du bleed. Quoi? Je peux plus m'envoler? Mais qu'est-ce qui se passe? Je saigne. Bon, en tout cas, les saignements, c'est bien fait. Ok, mais pourquoi je saigne, en fait? Genre, c'est lui qui m'a fait saigner. Mais c'est un joueur ou c'est pas un joueur? Je sais pas trop ce qui se passe, mais... Il est ingérable. Il est ingérable, le merdier, là, en l'air. Il est ingérable. C'est ingérable. C'est un truc de fou. Je sais qu'on peut faire un piqué. Aussi. Mais je suis en train de crever là. Je comprends pas ce qui se passe. Hein. Vraiment. Bon, c'est normal, c'est la première fois que je joue. Hein. Faut que j'arrête de saigner. Hein. Est-ce qu'il y a un truc pour voir la... Le bleed ou je sais pas quoi. Ok, bon, il fait de nouveau 38 degrés. C'est bon, c'est passé. Nickel. Bon, ben ça déjà, on voit que c'est un peu n'importe quoi. Que c'est un peu n'importe quoi. On voit que le bleed et tout, bah écoutez, c'est plutôt joli. Ça va, ça sent plutôt bien. Ok.
Après, vraiment, là, le système de combat, j'ai pas trop compris comment ça se passait. Ensuite, on voit qu'il y a eu des... il y a des cris. Il y a des cris aussi. Ok. Les cris sont plutôt pas mal, en vrai. Bon, il y en a que 3, par contre. Non, 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 non. Ah, il y a un truc là. Players, group. Ok. Alors, je suis un Thalassodromeus. Je fais 700 kilos, je fais 2 mètres. 3000 HP, ok, pas trop. Vitesse, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Et là, on voit qu'on peut faire évoluer nos dinosaures, du coup. Speed plus, stamina plus, ok, ben on va rajouter des points. Combien ça coûte? Comment on sait combien ça coûte? Need 30 points. Trade plus, increase speed, virile. Donc ça, c'est pas mal, hein. On peut améliorer son dinosaure et on peut choisir comment on veut se spécialiser, hein. Dans quelle branche on peut se spécialiser? Turn speed. Bon, on va faire ça parce que je tourne vraiment comme pas possible. Stamina, ok. Vas-y, on va améliorer le dino. Hein. Speed, ouais. Mais arrête de gueuler toi là-bas. Là. Ok. On fait. Hein. Speed plus, ok. On fait. Hein. 100 points, j'ai plus de points. Ok. D'accord. Alors est-ce que vraiment... Ah ouais, sacrée différence. Ouais, il est ingérable, ça y est. Il est ingérable le truc. Ok, j'aimerais bien le... Ah mais il y en a plusieurs. Eh par contre c'est full buggé hein. C'est full buggé, il y en a plein là. Mais ils sont méchants ou ils sont pas méchants de base ceux-là? Ça m'a l'air d'être des herbivores, hein. Non? Ça m'a l'air d'être des herbivores, hein. Par contre, c'est n'importe quoi. C'est des IA, je crois. Je crois clairement que c'est des IA parce qu'on est que deux sur le serveur. Ok, il n'y a pas de marche arrière aussi. Il m'a frappé! Mais qui est bâtard! Mais enfoiré, va! Tu veux quoi, en fait? Ouais, le piqué, là. Paf! Ouais, c'est pas grave si on se fracasse. Par contre, en vrai, c'est... Bon, ok, je suis un petit truc, mais... C'est impossible à tuer, ces machins-là. En fait, mon dinosaure est ingérable, quoi. Mon truc est ingérable. Je sais pas si je peux les tuer en vrai. Crois pas hein, j'en fais que d'elle. Mais je leur fais rien du tout. Moi je prends trop cher moi. Vas-y, frappez-vous entre vous, en fait. Bon, ok, bon. Là, c'est un peu le bordel, hein, les combats. Ok, envole-toi, mon pote. Bon, du coup, on va aller faire un petit tour. On va découvrir un peu l'île. À quoi ça correspond? Mais il y en a plein de dinosaures d'IA, là. Il y en a un peu partout, en fait. Ok, c'est pas mal. Bon, après, les IA se comportent vraiment à l'arrache. Mais bon, ça, on connaît, j'ai envie de dire. Je suis en train de prendre un peu l'attitude tout en vibrant. Tout en vibrant de tout mon corps. Ouais, pourquoi pas. Oulala. Bon, on voit que c'est pas développé à 100%. On voit que c'est pas développé à 100% du tout même. Mais bon, d'accord. Bon, on va pas trop s'aventurer loin, j'ai l'impression. Hein. Écoutez, on va faire un petit piqué. Je vais enfoncer dessus à eux là. Vous voulez quoi en fait, Kamikaze? Tiens! Bon. Mais un peu sous les trucs là. Hein. On va tester s'ils peuvent me tuer. Je vais tanker. Mon dieu, la gueule qu'ils ont, c'est terrible. Par contre, ils mettent 15 000 ans à mourir, c'est dingue. Mais il s'est couché devant moi, il est sérieux. Attends mon pote, tu vas périr. Hein. Ou alors je vais enlever ton fils. Ciao. Allez, me casse avec ton fils. Il est à moi, lâche-moi. Ah bah il est mort aussi. Il est mort de ses saignements. Ok, bon bah on peut mourir du saignement. Bon. Lui je vais le poser, vas-y casse-toi. Bon bref.
Mon pif me dit que ce jeu ne va pas continuer à être développé. Je sais pas pourquoi, mais je le sens venir gros comme une maison. Il y a 11 joueurs actuellement dessus. Je pense que le jeu va clairement s'arrêter là, au niveau du développement. C'est dommage parce qu'il y a quand même pas mal d'idées. Il y a des volants, il y a la mer, hein. Il y a aussi la mer avec pas mal d'espèces aquatiques. Au niveau des bonnes idées, regardez, mon T-Rex nage vraiment comme un dinosaure pourrait nager. L'ambiance sonore de l'océan est pas mal. Le jeu, je lui prédis pas un bel avenir parce que c'est tout le problème des bêtas, en fait. Quand elles sont trop en early access, est-ce qu'elles desservent pas le jeu? C'est vraiment une question que je vous pose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que c'est bien d'avoir accès au jeu, mais si le jeu ne propose rien, ça fait que les joueurs vont s'en détourner, clairement. Et c'est dommage, vraiment, je disais, c'est dommage parce que ce jeu a un très fort potentiel. Regardez, ça, c'est pas des joueurs, ça, c'est des IA. Donc, il y a des IA ici de tyrannosaures, de carnivores ultra dangereux qui font un peu leur vie, qui marchent, qui gueulent, qui bouffent, qui se mettent à côté des carcasses. Enfin, c'est quand même pas mal. En soi, quand on voit le potentiel du jeu, c'est pas mal. Mais par contre, le jeu en lui-même est vraiment très, 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 très peu développé. Il est dans un état de développement, vraiment, c'est du proto-développement, quoi. Il y a vraiment pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. Les combats sont pas beaux. Ah bah oui, ils attaquent, hein. Les combats sont pas beaux. Ouais, tu veux quoi? Les dinosaures sont pas très bien modélisés. La carte... Le champ de vision de la carte bug. Enfin, il y a... What? Ah non! Vas-y, barre-toi. Il m'a cassé la jambe. Ok. Ouais, il m'a défoncé à une vitesse, quoi. Bon, en gros, pour conclure rapidement cette vidéo sur ce jeu pour lequel je n'avais aucune attente, c'est juste que je l'ai payé, je me suis dit, bon, bah écoutez, pourquoi pas. Il est là, je suis là, on est là, on va y jouer, je vais vous le montrer. Est-ce que c'était une bonne idée? Bon, ça, c'est à voir. Mais, voilà, en gros, pour conclure définitivement, c'est que je trouve que c'est dommage de proposer des jeux à la communauté de gamers mondiale qui sont trop en accès anticipé. Parce qu'en fin de compte, est-ce que vraiment ça ne défavorise pas le jeu? Parce que là, en soi, ce jugement que j'ai sur le jeu, tous les joueurs l'ont. Parce que vous voyez bien qu'il n'y a personne qui y joue. Et s'il n'y a personne qui y joue, c'est que tout le monde se dit que c'est pas un bon jeu. Alors oui, il est en accès anticipé, oui, il est en bêta, oui, il est en alpha, oui, il est en pre-release, d'accord. Mais est-ce que, justement, ça ne pose pas problème pour le développement des jeux de faire une pre-release et de voir qu'en fin de compte, le jeu ne fonctionne pas? Alors ça permet de gagner de l'argent, et là on vient sur un sujet sensible.